Il y a quelque temps, messieurs, dames, je vous le confesse humblement, je ne m'en vante pas, mais je vous le confesse, il y a quelque temps, j'ai pris de la cocaïne. Laisse-moi une chance, laisse-moi une chance. Eh ben, je m'en vante pas, qu'est-ce que je te dis? J'ai failli, ouais, ben, j'ai manqué de vigilance, voilà. Mais non, mais tu croyais que j'étais parfait? Eh ben non, perdu. Je suis tombé sur un groupe de gens extrêmement persuasifs, hyper convaincants. Ils m'ont dit, t'en veux? Oui. Donc vraiment, c'est allé à une vitesse, vraiment. Et tu sais, à Marseille, je n'ai jamais été le mec qui prend une chips dans le paquet. T'as capté? Et qui se dit, je le finirai demain. Je suis pas le gars, il prend un KO, de chocolat, il fait la tablette, tomorrow, non, non. J'ai tapé de 18h à 12h44 le lendemain, j'ai mis le nez dans la farine comme un seul, comme ça, j'étais là, et bah! Et honnêtement, au début, ça allait! J'étais là, oh, mon corps est un peu chaud, c'est quoi la musique? Justin Timberlake, mais plus fort. Et au petit matin, enfin, 12h44, soit bien après le matin en fait, gros apéro, tout le monde se barre de chez moi. Et moi je connaissais pas les effets secondaires de la coke. Et au risque de vous surprendre, à 12h44, je n'ai pas du tout envie de dormir. Je suis réveillé niveau Dracula. Hein. Alors, 84 000 moutons, 200 000 moutons. Vraiment, je dis putain, là, c'est quand même con parce que moi j'ai deux spectacles ce soir. Donc, ça quand même bien de faire une sieste, sinon il y aura un happening, hein, je te le dis. Du coup, j'appelle le gars, je dis oh, eh, oh, c'était bien ton produit, mais là, faut que je dorme. Mais quand je dis non, je me calmerai pas. Bon, écoute, du calme, je te file un tuyau, tu te masturbes un peu, et après tu dors comme un enfant. Je fais ah ouais. Bon, l'activité n'a pas l'air nulle non plus. Je prends mon téléphone portable, je sélectionne différentes vidéos à caractère pornographique, je rentre dans ma chambre, je me mets nu, car c'est la tenue consacrée pour l'activité. Je m'allonge dans mon lit, prêt à procéder, et là, messieurs, dames, mon cœur se met à battre vite. Mais vraiment vite. Je me dis, elles sont bonnes, mais pas à ce point-là. C'est en train de partir en couille, cette affaire. Et ça bat, je me dis, putain, je vais quand même pas mourir à moitié à poil dans mon lit avec une vidéo de cul dans la main gauche et ma bite dans la main droite. À vous, c'est une mort de merde. T'as l'image ou pas? Ah, c'est Roselmack direct, hein. C'est le genre de mort, t'arrives au paradis, t'es là, pourquoi toi, je vais en parler, hein. File-moi de la vodka céleste, un truc qui frappe. Du coup, je me dis, bon, là, faut quand même que je demande de l'aide. Mais c'est la théorie, ok? En pratique, je te rappelle que je suis nu comme un ver dans mon lit et défoncé. Je me dis, bon, étape numéro 1, je me rhabille. Pour gagner la confiance des passants, cela me semble difficile. Mon raisonnement, sur le coup. Donc, mon dévolu se jette sur un jogging Nike, ok? Je mets le haut avec le pull à capuche, le hoodie. Je mets le bas du jogging sans caleçon. Détail qui aura son importance pour la suite de l'histoire. Je fous mes Air Force One, je prends mes clés, je sors en courant. Aidez-moi! Help me! Au cas où, on sait pas. Au cas où il y a un anglais. Aidez-moi! Help me! Aidez-moi! Help me! Et les gens, trash, je suis plus, c'est des bâtards les Français. Mais avec le recul, je les comprends. Ils ont vu un noir de 110 kilos courir droit sur eux et crier Help me! Et être la bite comme ça. Help me! Ils se sont dit, mais c'est mieux s'il meurt, lui. Il va pas apporter un plus au monde moderne. Ce sur quoi je les comprends. Au bout d'un moment, il y a un couple qui s'arrête. Je sais pas, les femmes ont un impact sur moi. La voix de la meuf m'apaise de ouf, ça me calme et tout. L'autre gars, procédurier de ouf, il me restresse de bâtard. Il appelle les pompiers. Oui, la divine est en face de moi. Vous avez consommé? J'aurais jamais dit, voilà, aidez-moi, je ne le ferai plus jamais, c'est promis. Et Justin Timberlake, nique sa mère. Il a pris une balle depuis New York, total. Non. Le pompier est arrivé, vous avez quoi? Mon cœur, ma vie. C'est normal, avec la bouche, il me prend de haut, lui. C'est pas que je biffe les gens à l'aveuglette, quoi. Là, il me fait, mais je vous connais, vous, non? Messieurs, dames. S'il y a bien un moment dans ma vie où j'ai pas envie qu'on me reconnaisse, c'est là, hein? Donc Gilles Indien, 8 ans de comédie, faut que le jeu de comédien il fasse effet. Donc je fais, non. Si je
papa. Il me dit, si on s'en bat les couilles, monsieur, sauvez-moi. Il me dit, ok. Du coup, il me fout dans le camion de pompier et il met une pince là, qui mesure les battements de cœur. Comment on appelle ça? Quoi? Bon, la pince, il a raison. Il m'a dit, pince, oui, pince. Très bien, je te paye une bière, toi aussi. Ça a coûté cher ce spectacle, mais on y va. Et j'entends mon cœur qui bat, fait bip, 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 bip. Du coup, ça me stresse, ça bat encore plus fort. Bip, 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 bip. Et là, le pompier me fait, monsieur, calmez-vous, sinon, votre cœur va lâcher. Ça me calme pas du tout, ça, connard. T'as bien calmez-vous, fils de... Bip, bip, bip. Du coup, dérapage, les mecs m'emmènent aux urgences. J'avais jamais été aux urgences. Petit point urgence, Marseille. C'est le monde de Narnia, là-bas. Écoute-moi bien. J'arrive aux urgences, la première expérience de ma vie, Marseille, aux urgences. Je tombe sur un gars allongé sur un brancard, comme moi en face de vous, là, avec la jambe ici. Il est drogué, ça se voit, et il crie à intervalles réguliers comme ça. Ha! 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 Moi, je suis là, bip, bip. Avec le bras de la qui est là, arrêtez-le, arrêtez-le, je suis là, bip, 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 bip. Fille de merde. Au bout d'un moment, on me fout dans une chambre, on me perfuse, on me calme et tout, mais il est minuit 45 quoi. La journée est finie, j'ai raté les deux spectacles et tout, vraiment. Donc là, je suis vénère de malade, tu vois ce que je veux dire? Parce que je fais jamais ça, vraiment, je suis pas un mec qui prend de la drogue, vraiment, c'était... une histoire qui a vraiment mal tourné, quoi, tu vois. Donc là, j'étais en colère contre moi, je l'avais la scène, c'est mon rêve. À quel moment je rate la scène pour une connerie comme ça, quoi. Amy Winehouse du pauvre, quoi, tu vois. Alors, je te jure. Non, vraiment, là, j'étais en colère contre moi-même. Et avant que tu te barres des urgences, il y a un petit détail que j'avais pas capté, moi. C'est qu'il y a le médecin en chef qui doit valider la sortie. Écoutez-moi bien, il vient me voir et il me chie dessus. À un niveau jamais... Vous avez pas honte, couillon, va. Ta gueule. Sale môme. Abrutis. Tu crois qu'on a que ça à faire déjà, il y a un mec qui a trop fait la fête. Mais je vous dis, ferme-la. Ça va, c'est pas la peine de crier, hein. J'ai dit que j'étais désolé. Là, il fait, mais je vous connais. Vous. Si tu me dis un truc, je ne crois pas. Si tu me dis un truc, t'es humoriste, toi. Je dis, ah putain, vous m'avez grillé, c'est vrai. Je suis Fabrice Eboué. Merci, monsieur Marseille. Merci beaucoup.